donc particulièrement heureuse d'accueillir l'exposition personnelle Laurens. Cet événement s'inscrit pleinement dans la vie culturelle du château et contribue à ouvrir le regard des visiteurs sur l'œuvre artistique qui est révélatrice d'une vraie nature de nos émotions. Quel beau chemin parcouru, Laurens. Enfant, vous étonnez déjà par vos dessins, vos croquis, votre peinture. Vous exposez pour la première fois à l'âge de 12 ans dans votre village de Rochefort-en-Terre, en Bretagne, et puis dans toute la région. Le peintre qui hantait vos pensées, et c'est étonnant pour une jeune fille de 12 ans, c'était Pierre-Auguste Renoir, pour la maîtrise de ses couleurs pastel, pour les flous, les ombres et la lumière de ses tableaux. C'est avec la peinture de Claude Monet que vous aiguisez votre regard sur la nature. À l'orée de la forêt d'Océan, où vous habitiez, vous avez nourri votre imaginaire avec les contes et légendes des lieux. C'est vers l'âge de 18 ans que vous avez apporté une nouvelle note à votre peinture, en peaufinant le détail et précisant ainsi cet art alimenté par un imaginaire hors du commun. Votre prédisposition à la peinture vous conduit tout naturellement à intégrer l'École supérieure des beaux-arts de Versailles, où vous vous consacrez avec enthousiasme à la sculpture. Inspiré par Camille Claudel, dont vous admirez particulièrement la finesse du travail, l'éclat de ses marbres, et vous poursuivez en même temps le travail de votre peinture. De nombreuses rencontres ont jalonné votre vie. Je vous laisserai en parler aux visiteurs qui vous rencontreront lors des visites de vos tableaux. De nombreuses rencontres ont jalonné votre vie d'artiste, vous accompagnant dans l'apprentissage de différentes techniques, notamment la gravure que vous avez exercée pendant 4 ans. Votre peinture est nourrie de ces divers apprentissages et l'exposition que vous nous proposez est éclairante. Vous avez développé une approche moderne des sujets classiques et imaginaires en apportant une touche naïve et poétique à vos tableaux en utilisant l'aquarelle ou l'huile, mais d'autres matériaux également qui se cachent dans vos tableaux. Notre regard est capté par l'harmonie des couleurs et du mouvement, la douceur des termes. Vous nous transportez dans votre univers poétique. Belle peinture féminine. Sans aucun doute, c'est un moment de grâce que vivra chaque visiteur lors de cette exposition. Depuis 2011, vos œuvres sont cotées Drouot et Acoun. Vous avez exposé à New York, Palerme, Téhéran, Rome, Corée du Sud, un long chemin à l'international. Durant cette exposition, le public pourra vous rencontrer au milieu de votre univers parce que vous avez beaucoup de plaisir à partager et à échanger sur votre parcours, votre inspiration et votre peinture. Simplement, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir le faire, mais le public pourra revenir à d'autres moments dans la semaine. Donc, de 10h à 12h, de 14h à 18h. Et là, vous pourrez accéder aux explications de Laurens. Votre gentillesse et votre bienveillance sauront séduire autant que vos toiles. Merci à Laurens pour la joie que vous avez accrochée sur les murs du château. Merci aux bénévoles de l'association Renaissance du château pour leur aide précieuse. Et enfin, nous vous remercions d'inscrire le château de Musinan aux côtés de vos autres lieux d'exposition, Palerme, Londres, Téhéran, Rome et New York. Voilà. Le public pourra déposer des petits mots sur les livres d'or qui sont à votre disposition ici et en bas. Pascal, j'ai oublié quelque chose? C'est bon. Et donc le vernissage est offert par l'artiste. Voilà. Alors, à Madame la maire déléguée de Bellegarde, Madame Bonnet, qui souhaitait dire quelques mots.
Eh bien, je serai très brève parce que vous n'êtes pas là pour m'écouter, vous êtes là pour regarder. J'ai tellement été happée par la beauté de ces tableaux que j'en ai perdu mes mots. Donc, tant mieux pour vous. Mais comme je l'ai déjà dit à l'artiste, ils sont sublimes. Ils transpirent l'amour que vous avez pour votre peinture. Voilà. j'en perds mes mots, mais c'était un régal de voir cette exposition. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Et puis à la Renaissance aussi pour le travail qu'ils font. Donc je sais, je suis, mais voilà. Bon, j'ai parcouru un petit peu votre dossier, façon de parler. Il y a deux, trois trucs quand même qui m'ont interpellé. Je vais vous les donner. Je peins l'histoire entre la toile et moi. Je me dis, bon, ça dit quoi? J'explore des thèmes liés à la nature, à la féminité, à la douceur, au calme, aux atmosphères apaisantes. Je me suis dit, mais elle peint quoi exactement? Un style romantique et contemporain, ça ne me dit toujours rien de vous. Alors je me suis dit, eh ben, je vais attaquer avec autre chose. Avec le questionnaire de Proust. Mais pas toutes les questions, parce qu'il y en a quand même 35. On va commencer par ça, puis après on attaquera sur les tableaux. On va attaquer par ça parce que ça va détendre l'atmosphère si vous êtes tendu. Et vous ne l'êtes pas, je ne pense pas. Ma qualité préférée chez les autres, c'est quoi chez vous, Lorenz? Ma qualité préférée, la patience. La patience. Votre couleur préférée? Je les aime toutes, en fait. Sauf le noir. Le noir n'est pas une couleur. On dit que c'est une valeur. Non c'est plus. Non. Non. C'est quoi, alors, le noir? Le noir, c'est rien. C'est le néant. Alors, pour moi, pour les photographes, elle a une autre signification. Mais pour moi, elle n'est rien. Pour moi, c'est un mélange de toutes les couleurs. Et encore, même quand on mélange toutes les couleurs, on obtient un brun. On n'obtient même pas un noir. Mais le noir, je ne l'utilise pas. Il ne fait même pas partie de ma palette. Jamais. À l'avenir, peut-être? Non. Non plus. Jamais. Non. Le mot que vous préférez? C'est une question qui est un peu compliquée, quand même. Pas forcément. Le mot que je préfère? Amour. Et le mot que vous détestez, par conséquence? La haine. Le racisme. Il y en a plein. Ce que vous détestez le plus par-dessus tout? L'hypocrisie. Ça, par contre, je déteste ça. La moquerie, l'hypocrisie, ouais. Lorenz, on est à 24 heures de... Voilà pour quelques-unes des questions de Proust, du questionnaire de Proust. On est à 24 heures de cette expo ici à Valserone, au château de Musinan. Vous êtes dans quel état d'esprit? Bon, ça va, sereine, en fait, finalement. Sereine. Bon, après, j'ai un petit peu l'appréhension du monde qu'il va y avoir au vernissage, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes que je ne connais pas. Et puis, c'est un peu impressionnant aussi. Mais en même temps, je suis très heureuse de tous les recevoir. Je suis heureuse de montrer mon travail et je suis heureuse de leur faire plaisir. Voilà, je suis heureuse de... Quand ils vont rentrer à la maison, peut-être qu'il y aura des gens qui diront « J'ai découvert quelque chose, j'ai découvert un art que je ne connaissais pas, j'ai découvert une personne. » Et en fait, j'ai hâte. J'ai hâte de leur faire plaisir. Vous avez quand même une sorte de trac, Lorenz? Non. Je devrais peut-être, mais... j'ai de l'appréhension, ouais. Parce que j'ai envie que ça se déroule bien, j'ai envie que tout le monde soit content, j'ai envie que toutes les personnes qui vont venir soient heureuses. Donc j'ai un peu l'appréhension de ça, mais je n'ai pas l'appréhension de faire découvrir mon travail. Parce que ça fait 2 ans que je prépare ça.
Ça fait 2 ans que j'ai travaillé dur, jour, nuit, pendant des mois. Et maintenant, c'est l'aboutissement de mon travail. Donc non, je suis heureuse. Comment on peut parler de votre peinture? Comment... C'est difficile au micro parce qu'on ne fait pas passer d'image. Vous pourriez me parler de votre art? Alors, il est multiple. Hein. Il est très large, il y a une palette infinie. Comment est-ce que vous définiriez vos talents, si je peux dire? Alors, moi, j'ai des difficultés à en parler. Mais par contre, quand je mets une toile sur Facebook, par exemple, il y a toujours les mêmes mots qui reviennent. C'est la poésie, la magie... c'est la douceur, la féminité, c'est toujours les mêmes mots, c'est merci, merci de partager. J'ai des mots qui sont tellement touchants et des fois ça m'émeut en fait. Et je pense que ça fait plusieurs années que les gens disent toujours la même chose. Alors je pense que je vais leur donner la parole en fait. Parce que moi, je n'ai pas vraiment de définition de mon travail. Je marche avec le cœur, tout simplement. Surtout que votre talent a drôlement évolué. Vous exposez, vous travaillez depuis des années et des années. À la limite, au début, il y a, je sais pas, 10, 15 ans, 30 ans, ce n'était pas du tout ce que vous faites aujourd'hui. Alors non, heureusement que mon travail a évolué, mais il y a un fond qui est toujours pareil, il y a toujours un fond de magie. Et puis je viens de Brocéliande en même temps, hein, ouais, donc ouais. C'est normal, il y aura toujours ça. Et puis il y aura toujours de la tendresse et puis de la sagesse, enfin c'est ma quête. Comment est-ce qu'on arrive à peindre quand vous êtes... devant une toile blanche, vous avez déjà des choses construites dans votre tête, vous dites je vais faire ça, ou alors l'inspiration elle vient comment? Comment est-ce qu'on attaque une toile pour être un peu brute de coffrage? Alors il y a plusieurs raisons. Il y a l'envie soudaine de faire quelque chose, et puis on a zéro projet et on y va. On a une ligne de conduite, une couleur, par exemple ce week-end j'ai fait une toile, et ma couleur c'était l'or. Et je suis partie sur l'or et les encres. Je voulais travailler la calligraphie. Et je me suis laissée totalement aller. Et puis, ça a donné un résultat qui est pas mal, en fait. Donc, peut-être, si elle est sèche, il y aura la... Elle sera peut-être en plus pour l'expo après-demain. La toute dernière, là, qu'on peut faire. Non, celle que j'ai faite dimanche. D'accord. Comme ça. Et puis il y a d'autres toiles, elles se préparent, elles sont en véritable travail où il y a une évolution qui va se faire sur une semaine, 15 jours, un mois, elle va se préparer. Et là, ça va être déjà plus calculé. Mais j'ai travaillé avec les deux, en fait. J'aime bien l'instinct, puis j'aime bien le travail. Quand on voit votre toile, j'ai eu le privilège de les voir de près, on se dit, bon, c'est finement travaillé. Vous ne les retravaillez jamais, une fois que le tableau est fini, il est fini, vous ne revenez jamais dessus. Enfin, à partir du moment où vous vous dites, ça y est, le tableau est fini, vous ne revenez jamais dessus. Non, je ne reviens jamais dessus. Si jamais, un mois après, je me dis, j'aurais pu faire ça ou j'aurais pu faire ça, alors je vais en faire une autre. Mais une fois qu'il est fini, je l'ai signé, je ne retouche jamais. J'ai abouti, j'ai travaillé durement dessus et après, je la laisse. Après, il y a inconsciemment, il y a un travail qui se fait et ce travail, il me dit, tiens, tu aurais pu faire ça. Ou il va évoluer sur quelque chose parce que je vais grandir de ce que je viens de faire. Et en grandissant, je me dis, j'aurais pu mettre ça, ouais, j'aurais pu faire ça. Et du coup, je vais entamer une autre toile qui me fera encore grandir et encore, et la suivante, et la suivante. Et c'est comme ça qu'on travaille, en fait. Vous n'arrêtez pas de grandir, en fait. Non, je devrais être une géante, mais je ne suis pas. Mais j'aimerais bien. Mais je crois que je ne sais pas si j'aurai assez le temps d'être une géante. C'est ça. C'est-à-dire que vous pensez que tout au long de votre vie, je vous la souhaite très longue, vous n'aurez pas fait tous les tableaux que vous avez en tête, à la limite? Non. Je crois qu'il me faudrait plusieurs vies pour arriver à ce que j'ai vraiment en tête. Il faudrait que je m'arrête jamais. Déjà, je m'arrête jamais. Mon cerveau, il est tout le temps en action. Mais physiquement, je crois que je n'aurais pas assez de cette vie-là. Il me faudrait une deuxième vie. Je vais te commander ça au Père Noël, s'il peut. Mais oui, il me faudrait. La réincarnation? Oui, ouais. J'y crois.
Je crois qu'il y aurait une autre vie après. Et j'espère, je souhaite que je pourrai continuer ce que j'ai commencé là. Alors j'ai vu dans votre cursus alors plein de références, je me dis mais c'est très bizarre, ça passe d'un artiste à l'autre, l'un qui n'a rien à voir avec l'autre. Je vois Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Dali, Auguste Rodin, Kandinsky. Je dis oula, elle part dans tous les sens. Alors exactement, que ce soit Monet ou Renoir, ça reste des impressionnistes, donc ils sont un peu dans la même classe. Donc ça, c'était mes grands dieux au départ. Et puis après, Camille Claudel ou... Alors ça, c'était pour la sculpture, parce que étant donné que j'ai un petit souci de vue, ben, la sculpture m'a beaucoup aidée à appréhender la trois dimensions. Et puis Kandinsky, parce que Kandinsky, c'est un petit peu, pour moi, un mathématicien quelque part. Il aime les choses, les formes géométriques. Et puis, dans toute forme qui existe dans la nature, ça partira toujours, 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 toujours de formes géométriques. Donc pour moi, il reste un dieu aussi, Kandinsky. Donc ils ont tous un point commun quand même, c'est le dessin. C'est le dessin, ouais. Donc pour moi, c'est tous des dieux. Ils m'ont tous apporté quelque chose. Vous avez exposé certaines de vos toiles, j'allais dire dans le monde entier pour faire court. Vous en avez retenu quoi? Est-ce que ça vous a permis de grandir, d'écouter les commentaires, d'être extrêmement discrète au fond de la pièce? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que vous avez ressenti par rapport à ce que les gens disaient? Alors, c'est assez vaste. New York, j'ai beaucoup aimé parce que c'est New York. Et puis, quand on voit ces toiles tourner à Times Square, franchement, il y a quand même peu de personnes qui voient ces toiles. Alors, forcément, j'ai pleuré. Hein. J'ai pleuré de voir ma toile tourner comme ça dans Times Square. Et en même temps, c'est quelque chose qui m'a totalement dépassée, qui dépasse le cerveau, en fait. C'est presque trop. Et puis, moi qui suis assez... un peu timide quand même, ça m'a dépassée. Mais ça m'a apporté quelque chose. Je me suis dit, oui, peut-être que mon travail, il est peut-être intéressant finalement. Et puis il y a eu des expositions, des prix à Rome, à Palerme, qui font chaud au cœur parce que je me dis, c'est réconfortant en fait. C'est réconfortant de savoir que il y a des gens qui ont fait des études pour étudier l'art et qui reconnaissent mon travail. Donc ça fait plaisir. Et même des prix que vous n'êtes pas allé chercher? Oui, c'est vrai. Alors racontez-moi ça. Par timidité, à l'Office des arts et de la culture à Mantes-la-Ville, il y a eu une exposition où je ne devais pas y participer à la base. C'était une élève qui m'avait dit qu'elle y participait et moi j'étais son prof. Puis elle m'avait dit non, mais c'est trop tard, vous ne pouvez plus participer à cette expo, à ce concours. Et puis je les ai quand même appelés, j'ai dit voilà, est-ce qu'il reste encore une place pour participer à votre concours? Ils m'ont dit oui, bien sûr, vous pouvez. Alors je leur ai emmené une toile et puis... Je leur ai emmené une toile, mais quand je prépare un concours, je ne le prépare pas pour perdre. Je le prépare pour gagner. Et je ne suis pas prétentieuse en disant ça. C'est que je le fais parce que je veux gagner. Même si je ne sais pas si je vais gagner. Parce que, donc, j'ai donné ma toile. Et puis, il y avait la remise des diplômes qui se faisait presque un mois après, parce qu'il y avait l'Office de la Culture, il y avait les directeurs des Beaux-Arts de Versailles et de Paris qui venaient, il y avait le public, le vote du public aussi, et puis il y avait ces trois jurys donc, qui ont voté. Et puis, je ne suis pas allée au résultat, par timidité, parce qu'il y avait des journalistes, il y avait beaucoup de monde, et puis je me suis dit, j'avais trop peur d'y aller, en fait, tout simplement. Et puis je suis allée le lendemain, et puis quand je suis allée voir ma toile, qui était tout au fond de la pièce, j'ai vu le premier prix des trois jurys.
Et donc, je suis allée voir les personnes qui organisaient le concours et je leur ai dit, bah, je suis la personne sur laquelle il y a eu les trois jurys qui ont voté, qui ont donné leur vote. Et il m'a dit, oh, mais c'est vous, Laurence, pourquoi vous n'êtes pas venue? Hier, il y avait la remise du prix, et maintenant, il n'y a plus personne, les journalistes sont partis. Je dis, mais moi, ça me convient bien comme ça, en fait. Et ils ont vite rappelé tout le monde, et puis ils m'ont offert un prix, un très gros prix, en plus. Un très gros prix. À l'époque, c'était... j'avais 21 ans, et ils m'ont donné 2000 francs. C'était énorme pour moi. 2000 francs, ils m'ont donné un bon de 1000 francs dans un magasin de Beaux-Arts à Paris. Et j'étais très heureuse, forcément. Et puis, ça m'a bien aidée. Et après, j'ai regretté, forcément. Mais bon, voilà, après, c'est la timidité qui fait ça. J'allais y revenir, justement. Vous n'êtes pas allé chercher le prix de peur de devoir prononcer quelques mots, voire même un petit bout de discours, même trois lignes. Mais votre timidité maladive, j'insiste bien, vous a même fait arrêter le fait que vous donniez des cours, vous ne pouviez plus donner des cours à des élèves. Ce n'était pas votre truc, mais vous êtes très vite rendu compte que vous ne pouviez pas, vous étiez bloqué. Complètement. Face à 30 élèves, c'est compliqué de donner des directives, sachant que quand on a 30 adolescents, les directives en Beaux-Arts, je crois que... Ils s'en moquent un petit peu. Et puis pour moi, c'était trop compliqué de gérer ça, cette nonchalance. Et pour moi, je travaille avec la passion. Donc je ne peux pas comprendre les gens qui travaillent sans passion. Donc on ne partageait pas la même chose. Donc c'était trop compliqué pour moi. Donc j'ai redonné mon diplôme au rectorat. Laurence, vous faites aussi des tableaux pour la bonne cause. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Parce que là, en ce moment, il se passe quelque chose. Enfin, il y a un tableau qui reste bien, bien caché. Mais vous faites chaque année au moins un tableau pour la bonne cause. Oui. Là, cette année, j'ai fait un tableau pour Médecins du Monde. Ça sera une vente aux enchères. Je souhaite qu'elle soit vendue et qu'elle aille... Voilà, qu'elle profite aux Médecins du Monde. L'année dernière, j'ai fait aussi une toile pour le cancer du sein. Là, j'ai récemment fait une petite aquarelle pour un jeune homme qui a eu une maladie grave. J'ai fait des toiles pour le Téléthon aussi. Mais j'aime ça. J'aime ça. J'aime donner pour des gens qui sont dans la difficulté, en fait. Là, les toiles, on va pouvoir les découvrir jeudi. C'est le moment du vernissage. Vous serez présente, tout le monde le souhaite. Ça va être forcément, parce qu'on suppose qu'à chaque exposition, c'est un moment d'émotion et d'émotion intense. Ça va être le cas jeudi. Oui, oui, c'est l'aboutissement de mon travail. Donc forcément, ça va être intense. Et j'attends des retours des gens. J'attends qu'ils me disent ce qu'ils voient, ce qu'ils perçoivent, et puis leur émotion. Pour moi, c'est important, ça me fait avancer aussi, tout ça. Quand vous voyez quand il y a une expo, quelle qu'elle soit, que vous voyez des spectateurs dans une salle et que vous écoutez les commentaires, est-ce que vous dites comme ça, non mais il fait un commentaire à son compagnon, sa compagne, et il se plante complètement. Est-ce que vous vous dites ça? Parce qu'ils peuvent très bien dire, bah tiens, elle a voulu dire ça, c'est peut-être ça, et puis si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Vous entendez ce genre de choses aussi? Alors je l'entends, des fois ça me fait sourire, parce qu'ils sont complètement à côté de la plaque, et je l'entends, des fois j'ai envie de dire, non, vous êtes totalement à côté de la plaque. D'ailleurs, ça me fait même encore rire quand j'entends des grands critiques d'art dire « Renoir, il a voulu dire ça, il a voulu interpréter ça ». Et moi qui ai fait les beaux-arts et l'étude de l'art, non, des fois, ils sont pas dedans du tout. Donc, et des fois, même moi, sur mes propres expositions, les gens ils se trompent, ils pensent que j'ai interprété telle ou telle scène, alors que non. Et j'ai envie de leur dire, mais je dis rien parce que je préfère les laisser dans leur interprétation, et sauf sur la technique. Oui. Sur la technique, je vais dire quelque chose parce que pour moi, la technique est très importante. J'ai énormément de rigueur sur la technique. Je peux utiliser des techniques ancestrales, je peux utiliser des techniques qu'utilisaient
nos maîtres. Et par contre, là-dessus, je serai intransigeante. Après, pour l'interprétation, je laisse libre à chacun interpréter ce qu'il veut, en fait. Et en même temps, l'interprétation, c'est comme l'art, c'est jamais quelque chose d'objectif, c'est toujours subjectif, parce que chacun ne voit pas la même chose sur un tableau, sur une œuvre d'art, non ? Complètement, complètement, et j'en suis heureuse d'ailleurs. C'est le but, c'est le but. L'art, c'est fait pour ça. C'est fait pour faire plaisir aux gens et pour qu'ils aient des émotions. Alors après, s'ils n'ont pas la même émotion que moi j'ai mis dans ma toile, qu'importe. L'important, c'est leur propre émotion. Vous pouvez être déçu si on ne capte pas. Non, jamais. Je suis jamais déçue. C'est chacun y voit son compte. Et j'ai eu un élève qui était un rabbin. Et je lui mettais une nature morte, donc il savait pas dessiner du tout. Il venait. Moi, j'habitais Paris et il venait du Havre en taxi une fois par semaine. Et il venait, je lui mettais une nature morte sur la table et lui me peignait des tapis d'Orient. Et un jour, je lui ai dit, mais ça sert à quoi que je te mette des fruits sur une coupe si toi, tu me dessines des tapis d'Orient? J'ai dit, où tu vois ça? Et lui m'a dit, mais je suis bien là. Je suis bien avec toi, tu me donnes des conseils, je suis bien. Et c'est une heure et demie de bonheur. Et j'ai adoré ça. Et c'est lui qui a raison, en fait. C'est lui. Peu importe l'interprétation qu'on en fait, du moment que ça apporte du bonheur à la personne. Et moi, personne ne me demande des comptes quand je fais une toile. Donc l'important, c'est l'appréhension de la personne. C'est ça qui est riche pour moi.